Bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères et comment nous y sommes? Mes frères et femmes, Nap Kembe. Jeudi, c'est mercredi 13 novembre 2024. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous rejoindre sur Channel Polan. TAC 509, tout haïtien connecté, dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Nous là pour nous porter information pour vous. Nous là pour nous brasser l'idée sous tout petit détail important qui a dominé l'actualité. Haïtiens frères et nos dossiers politiques, pas bon ici, gen en pile surprise et chaque jour, et surprise apparaît plus grand. À peine installé, nouveau premier ministre, Alexis Jeffy Zemé, il commence à passer baleine en primature, il commence à retirer, à effacer catégoriquement toute trace que Gary Conny lui-même te gagné. Et nous gagnons une vidéo, nous allons partager ensemble avec vous, nous allons voir si on a Didier Fizeme qui est confiant, qui est confortable dans la nouvelle fonction. Et Premier ministre a pour vercoli dans la primature, nous allons partager la vidéo avec vous dans un petit moment. Nous souvent dit que le problème du pays d'Haïti, c'est haïtien. Mais je dis, gagnons bagay, gagnons historiens, nous partager ensemble avec moi. Qui pral montrer à clair nous même haïtiens en pile nan nous c'est principal problème pays nous et gagne plusieurs facteurs gagne plusieurs éléments qui montrer à clair et que ce soit hypocrisie que ce soit égoïsme haïtien qui égoïste on ne peut plus qui parle ouais frère avancer qui parle ouais frère saute la rive là bagay a plonger société a. Et ça vient tellement aveugler nous, c'est propre tête nous, c'est notre petite personne qui intéresse nous. Yo met ap craser, bouler, détruire tout respect, tout reste Haïti, ça pa mêlen. M'pral gagner pour m'partager Timo sur l'histoire ça avec nous, nous pral comprendre plus bien et dans qui complot, dans qui piège Haïti prend journée jodi. Nous gagner président élu américain Donald Trump. Et Donald Trump li commencé monter équipe li et selon observateur américain, canadien, français, des séries de moun qui bercé dans politique là depuis bien longtemps dans international là, yo déjà annoncé gagne gros conséquences et équipe Donald Trump là qui a monté à la gagne gros répercussions le bral gagne sous des séries de pays tant que Haïti par exemple. Et surtout dans la question immigration, c'est maman petite mare vente, mare sentu. Parce que Donald Trump mette là dans la question immigration, l'idée pour appliquer à la lettre toute promesse campagne ancien et candidat qui est actuel président élu américain. Nous prenons le détail, nous prenons le dou qui sa bagaille. Yon l'autre bord, nous gagnons pays États-Unis, Canada, la France, pour ne citer ça seulement, qui ba Haïti bo along Mikembe. Qui prend distance avec Haïti dans la question transport aérien. Yon nouvelle, yon décision qui leve plim sous le conseil présidentiel transition. La présidence réagit, qui sa réaction yon yé. Nous pral ba ou détail. Compatriote Haïtien Frèchem, équipe famille Lavalassa, Leslie Voltaire, a kres allié yon dans le conseil présidentiel transition. Yo finalement jouen sa yo tap cherché ya. Nan moment se fèt ka fèt, puisque ministère régalien yo, nan moment n'ap pale a la, gato al commence séparé, el commence séparé ak conseiller président yo. Se yo ton de formation, nou pral genye pou nou partage ensemble avec kwa ka pil lot anko, deja m'abdou bienvini, abonne, commente, partage, nou pral pale pays, nou pral brase l'idée. Sous situation importante que Haïti a connu dans le dernier moment. J'en annonce dans le commencement de l'émission, compatriotes haïtiens frères et sœurs, situation compliquée et pour le pays, compliquée pour le peuple haïtien. Et il y a une pile décision qui a pris dans l'international qui prend gagner gros conséquences sur Haïti. Mais décision ça yo vini suite avec comportement criminel groupe terroriste vivent ensemble yo montré dans jour qui s'est passé là le yo attaqué aéroport là nous sorti dans youn nous tombé dans trois avions qui yo même yo prend balle. OK, incroyable mais vrai, oui, avion yo prend balle, dernier avion qui pral pousser États-Unis prend distance li ba Haïti bo long kembe nan question transport aérien nan question avion qui vin atterri dans la coupe pays d'Haïti. Eh bien c'est après
intervention et compagnie américaine American Airlines qui lui-même li fait qu'on est yo gen avion yo même et qui victime là yo a fait inspection yo t'a pral joine que avion hein li prend balle li percé à balle donc décision ça qui mettait Haïti en isolation donc pays yo décidé yo pas venir atterrir en Haïti. Haïti isolé de reste monde là. Donc son situation extrêmement compliquée et dans ce sens nous gagnons la présidence sans pas bon côté payo qui sorti en communiqué pour la presse pour bail position yo par rapport avec et situation si là. Nous allons regarder ensemble qui ça qui dit non communiqué si là. OK, on nous regarder ensemble. Communiqué de presse, le Conseil présidentiel de transition condamne avec véhémence les actes perpétrés contre la population et l'aéronef de Spirit Airlines et celui de JetBlue, mais ont oublié pour y mettre également American Airlines. Port-au-Prince, mardi 12 novembre 2024. Le Conseil présidentiel de transition, fidèle à ses valeurs et principes, condamne sans équivoque et avec la plus grande rigueur cette montée de violence dans la région métropolitaine. Ces dernières 48 heures, des membres de gangs armés ont porté atteinte à la vie de paisibles citoyens, incendié des propriétés privées et même fait feu le lundi 11 novembre 2024 sur un avion de la compagnie Spirit Airlines en provenance de Fort Lauderdale, États-Unis. Ce crime lâche qui menace la souveraineté et la sécurité d'Haïti vise à isoler notre pays sur la scène internationale. Les auteurs de ces actes odieux seront traqués et traduits en justice. Les forces armées d'Haïti FADH, la police nationale d'Haïti PNH et la mission multinationale de soutien à la sécurité ont immédiatement déployé leurs unités pour renforcer la sécurité des familles et autour de l'aéroport international Toussaint Louverture afin d'assurer la protection des vols commerciaux desservant notre pays. Le Conseil présidentiel de transition appelle la population haïtienne à rester vigilante et à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre pour empêcher toute action qui pourrait compromettre notre paix et notre sécurité collective. Ensemble, nous mettons fin à des actes inqualifiables. Donc ça n'a pas gardé à là, c'est communiqué pour la presse que Conseil présidentiel transition yo même yo publié par rapport avec attaque bandi fait sous airport là. Nous sortis dans un avion, tombé dans trois avions et bien qui poussait États-Unis, Canada, la France, Cuba, bon République Dominicaine pas dans bagaille et transport aérien avec nous. Bon tout le monde campé, yo isolé Haïti complètement par rapport avec attaque terroriste. Et nous nous trouvons dans une situation côté que faut gagner décision qui prend, faut gagner et action qui posée par bon côté autorité l'état yo, par bon côté moun qui dans l'état yo qui dans poste décisionnel yo qui t'a supposé prendre décision en urgence. Eh bien nous senti par bon côté conseil présidentiel transition hein, ni par bon côté primature avec nouveau premier ministre yo plus focalisé yo sur question comment yo pral monter gouvernement, comment yo pral composer gouvernement avant même que yo ta mette nan tête yo comment yo pral bay réponse avec nèg exam za yo qui tout partout cap terroriser population. OK, qui tout partout qui pas suspend traquer population comme si nèg exam yo c'est ton force qui légal en dedans pays. Comprenez bien oui, nous gagnons pendant conseil présidentiel là avec primature yo après les affaires yo. Eh bien nous gen là on vidéo nous pral partager avec vous côté et nèg exam yo même c'est du feu yo mette, c'est attaquer à attaquer population et bagay la li extrêmement compliqué. Moun yo a mandé la police intervenue pour yo, la police pas arrivé intervenue parce que
bandi yo yo sous plusieurs fois en même temps. Donc son situation qui la gè gros la troublaille nan mitan population gros la pérez, moun yo pa konn ki sen pou yo briller, moun yo pa konn kote yo dwe ale et bandi a marcher sou yo. On nou gade ensemble avec moi vidéo si la. Many daddies, many. Many, oui. Tout en dedans. En fumée. Tout en dedans, oui. Tout en dedans, Denise. La fumée. Basse au vent. Basse au vent. Chérie, chérie, fini. Chérie, fini. Chérie. Chérie, fini. Chérie. Oui, mon Dieu. Chérie, fini. Chérie, fini. Many, mais caille-moi. Denise, mais caille-moi, oui. Denis, mekaimwe, Denis. Denis, mekaimwe, mekaimwe, Denis. Ok. Non, non, faut me montrer. Denis, mekaimwe. Mekaimwe, Denis. Ma sauvain, non, Denis, meni. Mekaimwe, Denis. Mekaimwe, ma sauvain. Ma sauvain, ben bon Dieu, quoi. Bon Dieu, quoi, merci, pays. Merci pays. On va aller chaque jour. Moi dit, me dit, on dit on chez l'autre fini. Mais caï moi dit on dit. Mais caï moi dit on va chambre té. Yo va chambre té. Yo faut pas rester que c'est gros fort. Non, yo va rester du tout, c'est pas bon. Non, pas de la gueule bas. Yo va rester. Pas de la gueule toi. Ya, yo va arrêter. Yo va arrêter. Non, yo va arrêter. Angelo, Angelo, et tu des poids. Tu des poids après. Al garde tu des poids. Garde tu des poids. Regardez-le. Eh, tout ça me procède. Meni Denis, me kay mwen. Me kay mwen Denis, me kay mwen. Me kay mwen, m pa sove anyen. Mwen pa sove anyen. Anyen, nèg yo pa janm rete nan posyon. Yo pa rete. Bon, la sou situation et qui est extrêmement difficile que moun sa yo a traversé. Ça qui grave là, c'est pas yon moun, c'est pas deux moun, c'est pas dix moun. C'est pays qui a confronté en situation côté neg exam, absence dirigeant valable, absence dirigeant qui a fait job là, en absence de dirigeant qui compte faire pays, en absence de dirigeant qui compte sacrer les responsabilités, eh bien, les exam yo montre c'est yo que l'État et c'est yo qui a imposé la loi. Yo. Donc, moun a victime tout côté, ou en Haïti, ou a victime, ou dans diaspora, ou après en Haïti, ou dans avion a criblé ak bal, ou a mandé tout qui côté pays a pralé. Sou qui yes ou ka compte pendant dans pays? Sou qui yes ou ka compte pour bailler une réponse pour stabiliser mettre sécurité en dedans pays ya ou a poser tête toute question pas jamais ka joine réponse là alors que nous gon paquet nèg ak femme qui dans l'état au plus haut niveau kap touche l'argent kap fè kòb kap brase kòb mais c'est pour qui résultat donc moun sa yo ki nan situation sa yo ap gade yo impuissant ou comprend ou konn ki sa vle di l'aurait dit pendant 20 ans 30 ans 40 ans ou redi, ou ap pren humiliation, ou ap pren déception, ou ap goumen, 6 heures du matin, ou getan dans la rue, 5 heures du matin, ou getan dans la rue, 10 heures du soir pour ou ka rentre la kayou, la pluie par la pluie, soleil par soleil, ou ap bousquer la vie. Au final, pour dire tout, l'orge 50 ans, l'orge 40 ans, l'orge 60 ans, au moins ou al font bel ti grand moun, ou al poson au côté. Mais quand nous avons pas qu'à faire prévision, ça, on a qui paye. Toute soirée dit, fait toute soirée dit, construit dans vous, ou camper, ou regarder un groupe nèg qui en y rentre dans une fraction de seconde, qui rentre, qui passe toute soirée dit, construit pendant 40-50 ans, ou regarder tout qui passe en bas flamme dit, ou poser des questions qui sont faites, ou paye. Côté dirigeant, côté moun qui a touché, côté moun toute journée avec machine officielle, ouin, dans tête moun, yo. Pour qui raison, pour qui motif? Là, on va parler nous des nèg qui étaient dans l'état qui t'a volé l'argent l'état pour construire non. M'a parler de citoyens paisibles.
tout ça yo konnen nan vie yo c'est travail, tout ça yo konnen nan vie yo c'est effort, tout ça yo konnen nan vie yo c'est travail, faire des goudin yo, occuper famille yo, occuper tête yo, aider l'autre moun, aider un beau prochain. Ou pas bon, pas parler de nèg k'ap bataille pour pouvoir non, pas parler de politiciens qui passent toute vie yo à faire l'argent dans politique non, qui fait corruption dans l'état non, et puis pour garder ces comme ça en pays ou dans pays ou y a détruit dans propre pays ou qui sentiment ap gagne. Qui réaction a bien moi dame ça qui fait vidéo franchement son femme courageuse mais s'il pas prend bon médicament qu'attendre il tombe bip oui on pourrait regarder vieux qui défiler devant Dieu comme ça ou regarder tout effort tout sacrifice ou qui défiler devant Dieu comme ça ou dans propre pays ou pas en guerre et puis nous gagne nèg qui bataille pour pouvoir toujours nous gagne nèg qui bataille là pour poste qui bataille pour mon gâteau toujours bagaille yo grave bagaille yo grave. Non, bah, yon, non, bah, yon extrêmement grave. Compatriote Aïssé Frèchem, nous gagnons quelques amis qui t'a demandé moi pendant et prise de fonction à l'exil Fizé, mais bon, moun yo pa wè qui se pa en mettre de moi-même, te dit tèt moi, m'pat wèl tout. Parce que m'pat trop rete sous question installation nouveau premier ministre, parce que m'konne tout se même, tout vous m'se do en Haïti. Son paquet de gagote piage bamboche. Et puis, mal tombé sous photo ça. Et oui, par un mètre d'em, l'ite bel et bien là. Ok? Moun za yo, se magi yo e yo nan tout sos. Se toujours présent, jamais absent yo e. Se toujours présent, jamais absent. Pa wel? Men li. Koto wè flecha e la e sou pointe tête li liye. Ok? Li fin fè kont bel sou Ariel. Li fè kont bel ak koni koun yal continue. Li continue là côté manger aya côté zo aya côté pouvoir aya depuis yo ka rentre tête yo ka faufiler tête yo depuis petite tête là rentre elle fini donc mes parents mettent dem OK on confirme pour nous parents mettent dem l'a chercher zo toujours nèg yo a chercher manger toujours votre beaucoup plein beaucoup rassasié OK mais ça qu'Haïti compatriote Haïti frères n'avance et nous gagnons dans moment là. Nous gagnons conseil présidentiel transition avec un nouveau premier ministre qui a préparé gouvernement, qui a préparé installation nouveau gouvernement. Gagnons un pile nom qui déjà cité, gagnons un pile coup de fil qui a fait et gagnons possibilité pour y ta reconduit et quatre ministres qui étaient dans le gouvernement Konilan pour y ta reconduit encore et dans nouveau gouvernement. Mais qu'on ça tout gagne non capacité tant qu'au doyen tribunal première instance M. Bernard Saint-Ville qui pressenti pour venir ministre justice pays hein yon doyen qui prend dossier assassinat président Jovenel Moïse en échantillon oui m'pa même parler de prisonnier nèg qui était dans prison nèg yo prend gros l'argent pour libérer donc m'pa même parler de dossier quantité déporté qui était dans prison nèg yo prend gros l'argent pour libérer non là ça m'a parler de un dossier symbolique. On dossier tant coup dossier assassinat président Jovenel Moïse doyen te sous dossier a qui t'a lui même qui t'a gain responsabilité pour bail juge instruction dossier assassinat président Jovenel Moïse nèg yo fait paquet l'argent yo fait volume comme yo avec dossier assassinat président jusqu'à ce que yo prend dossier a yo fait ça yo connaît avec lui. Eh bien c'est même doyen ça c'est même Bernard Saint-Ville ça qui pressenti pour ta vini ministre justice. OK? Donc déjà qu'a dit nous si dans les jours qui viennent arrêté sorti Bernard Saint-Ville ta ministre justice et justice pays nous gen gros risque sous tête li. Gon gros épée Damoclès qui t'a pendé sous tête li. Nous gagné nouveau premier ministre Alexis Jeffis Aimé qui déjà commencé font balai ouzé, OK? Dans primature côté Gary Conny lui-même te gars qui parle qui t'est installé pour coordonner et pour coordonner décision pour coordonner activité qu'a fait dans primature là. Et bien pour l'instant gain l'autre bagaille qu'a fait gain gros changement qu'a fait et hier c'était installation et nouveau directeur cabinet premier ministre maître Axel Joseph. C'est ministre même en personne qui t'est procédé à installation. Nous pral regarder ensemble avec moi qui Jean s'atteye au niveau de la primature. On nous suit. Madame la ministre déléguée, monsieur le secrétaire général,
Monsieur le coordonnateur de l'OMRH, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les responsables des différentes unités, Mesdames, Messieurs membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres, les cadres de la primature, distingués invités, chers amis, Mesdames, Messieurs. Dans la droite ligne de mon engagement d'adresser les nombreuses urgences qui m'ont accueilli et dans le souci de mettre en place une équipe dynamique et compétente axée notamment sur les résultats, je vous présente Maître Axène Joseph. Maître Axène Joseph sera mon nouveau directeur de cabinet. Maître Axène Joseph est un ex-député, ex-directeur du cabinet du ministre de la Planification externe et de la coopération MPCE et est professeur d'université. Le tout assorti de ses nombreuses expériences de l'État, je compte sur votre collaboration pour la réussite pleine et entière de sa mission. Ça passe oublier discours, hein? Ah, petit comique, ça. Pour finir. Church. Maintenant, ça, c'est l'intervention. Ça, c'est d'usage. Je vais vous dire que Maître Axène est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup et beaucoup de respect. Vous savez qu'un directeur de cabinet, c'est probablement une des positions les plus importantes que quelqu'un qui a une position de responsabilité lui-même puisse donner à quelqu'un d'autre. Je donne à Maître Axène Joseph aujourd'hui cette responsabilité, le cœur léger. Je n'ai aucun doute qu'il va faire honneur à ma personne et à vous tous, membres de la primature. Maître Axène, j'aimerais te dire un grand merci pour ton service patriotique et pour le fait que tu as accepté de m'accompagner dans cette lourde tâche. Un jour, Haïti te remerciera. Mais pour le moment, tout ce que je peux te dire, c'est un merci fraternel de m'avoir accompagné dans cette bataille. Merci. Haïti comique net, oui, nèg yo ap régler là. Gardons pays. Arrêté nommant le citoyen Axène Joseph, directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre. Alix Didier Fizembe, Premier ministre. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 6 janvier 2016 portant amendement du décret du 17 mai 2005 portant l'organisation de l'administration centrale de l'État, vu l'arrêté du 8 novembre 2024 nommant le citoyen Alix Didier Fizembe Premier ministre, considérant qu'il convient de nommer le directeur de cabinet du Premier ministre, article 1. Le citoyen Axène Joseph est nommé directeur de cabinet du ministre avec rang de ministre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la primature à Port-au-Prince le 12 novembre 2024, en 221e de l'indépendance, par le Premier ministre, vu et approuvé par le Conseil présidentiel de transition. Pour le Conseil, alors la signature, c'est le conseiller président, M. Leslie Voltaire, et pour la primature, c'est le Premier ministre, M. Alix Didier Fizembe. Oui. Merci.
Mon yo pa gen protocole, mon yo tête en bas, gade au pays. Hey, hey. Parce que c'est pas nous tout besoin chef. Mais ça ka Haiti, OK? Mais ça ka Haiti, tout nèg besoin chef. Tout nèg besoin chef, mais quand il s'agit pour yo konnen ki sa fonction mande, ki sa fonction mérité, son casquette chinois, son problème. Déjà pral parler. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre déléguée, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le coordonnateur de l'OMRH, Mesdames, Messieurs les responsables des différentes unités de la primature, Mesdames, Messieurs membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les cadres de la primature, distingués invités, chers amis, Mesdames et Messieurs. C'est avec humilité que je prends la parole. Tout d'abord, pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, de ce qu'il a jeté son dévolu sur ma personne pour être son directeur de cabinet. Monsieur le Premier ministre, je suis très honoré de la confiance placée en moi à travers ce rôle crucial en ces temps qui exigent particulièrement la plus grande réactivité dans la sérénité. Je m'engage de manière indéfectible à vous accompagner efficacement dans l'accomplissement et la réalisation de votre difficile et noble mission à travers votre vision et vos projets. Pour y parvenir, je sollicite la collaboration de vous tous, de vous toutes, mesdames, messieurs, cadres, techniciens, responsables, employés, du plus petit au plus grand, de la plus petite à la plus grande, de la primature, et d'ores et déjà, je vous dis solennellement, vous jouissez de mon ouverture d'esprit, de ma disponibilité à votre écoute de manière attentive. Et ceci pour le plus grand bien de cette noble et prestigieuse institution qu'est la primature de la République et pour le bien-être de notre cher Haïti. Merci. Bon, voilà, nous s'attendons tour à tour, Premier ministre et qui parlait, bon, il était plus sous fait comique. Et puis, nous gagnons un nouveau directeur cabinet, Axel Joseph, qui lui-même lui fait un discours. Et puis, le français est tombé. Au final, ce sera quoi le résultat? Point d'interrogation. Mais il faut que je dise, nous, entre-temps, et dans l'international, il y a une grosse décision qui apprend. Et il y a une grosse décision que le pays États-Unis, principalement Donald Trump, a gagné pour installer, pour investir le fonctionnement en janvier 2025 prochain.
Eh bien, déjà là, observateurs, yon moun kap suiv politique internationale, yon gen tan ap pale de gros conséquences et kabinet chon pa monte la ka genyen et sou des pays tan kou Haïti par exemple. Et par exemple là, nous genyen moun ki pressenti pou vini comme secrétaire d'État américain, comme chef diplomatie américaine nan ki se Marco Rubio, et qui c'est sénateur Floride, moun konnen li pour moun qui anti-migrant, moun konnen li comme un nèg qui pa jam nan dans se kolé avec migrant. Et pendant sénateur Floride li prend ensemble de décisions qui te gagné gros répercussions sous question migrant yo. Côté nan question et assistance sociale, Marco Rubio li même li te clair. On paquet migrant pa ka vini gonfler nan Floride et puis et prend avantage américain aller nan et l'école nationale yo et puis petit américain pa ka l'école li te déclaré carrément migrant vini yo ap aller nan et abri pour moun ki pa gen côté pou yo rete et cetera et cetera ville la prend soin migrant et puis américain yo même yo pa gen assez et manger yo pa gen côté pour rete petit yo pa ka l'école Marco Rubio li té très remonté elle pa nan dans ses collé avec question migrant té gen plan li même principalement pour gérer question migrant yo donc jounen jodi an c'est lui même qui pressenti pour vini et secrétaire d'état américain chef diplomatie américaine nan. Non seulement Donald Trump choisi moun ki gen même idéologie avec lui mais choisi moun ki yo même ki gagne ki montre yo gon même intérêt avec li par rapport avec bataille que la mené non seulement contre immigrés et contre et dans question immigration contre migrants yo mais tout par rapport avec et ki amer par rapport avec jeune démocrate yo même yo t'a mené pays yo, yo t'a mené et États-Unis moun ni choisi comme ministre de l'intérieur Christine Wem, dame sa qui était gouverneur et Dakota du Sud, eh bien lui-même, li son moun qui pa nan danse kole avec question migrant. Li pa nan danse kole avec question moun ka rentre de manière illégale dans pays États-Unis. Et si gon bagay et habitant nan Dakota du Sud yo tolérer madame nan yo lever l'enlève, bien c'est pour bataille la mener contre immigration clandestine. Donc c'est lui-même Donald Trump li choisi pour le mettre comme ministre de l'Intérieur qui a gagné pour travailler avec Tom Homan sous question garde frontière, sous question immigration. Donc plan yo déjà Donald Trump li clair, yo gagné plan de travail yo pour yo respecter promesse de campagne engagement Donald Trump te prend pendant campagne électorale li. Dans question immigration, il te dit la fait déportation massive, eh bien Donald Trump mette moun li konnen ki ka vin mener bataille contre migrant. Donc tout bagay sa yo observateur yo moun kap suiv sa kap passe dans question politique, yo di Jean Donald Trump a monté équipe li là, Jean administration républicaine nan pral vinye là nan tête États-Unis. Bagay yo pa douce. Bagay yo pa douce et surtout pour des séries de pays qui pensaient que et Jean yo t'a bien mené avec démocrate Jean démocrate yo t'a ba yo et des faveurs en retour il a fait ingérence il a passé l'autre la caï nous Jean yo fait l'Haïti hein et bien c'est pas même bagaille là parce que yo même question immigration li prioritaire pour Donald Trump et avec Marco Rubio qui vini comme comme secrétaire d'état américain faut qu'on gagne bon monde qui ca négocier pour faut qu'on gagne bon faut qu'on gagne bon ministre affaires étrangères faut qu'on gagne bon chancelier faut qu'on gagne bon diplomate faut qu'on gagne des représentants qui ont même ca défendre intérêt Haïti qui ca discuter sous partenariat discuter sous coopération bon ma bon mais c'est pas toujours vini vini mandé vini mandé vini mandé. Donc il y a Marco Rubio qui était déjà anti immigrant qui était déjà lui-même gain dans contre haïtien. Donc là déjà nous ka wè Haïti commence isolé par rapport avec action gang yo a fait yo. Et bien bagay la ka vinn pi grave, bagay la ka vinn pi compliqué en 2025 si Dieu veut prochain le administration républicaine, le administration Donald Trump plan li rivé installé. Donc ça li était important pour nous faire le point. N'a pas retourné dans le pays nou Haïti, côté que déjà là, il y a des dirigeants politiques qui ont même pris position claire, ils ont pas non, et Alix DJ Fizeme. Hier, nous avons
GPPC, Gary Pierre-Paul Chol, qui lui-même, lui t'a fait un petit bat de bouche avec André Michel, compatriote haïtien frère Sam, pays n'a pas aucun avenir avec classe politique ça. Aucun avenir avec classe politique ça. M'pral permettre nous, étant de ensemble avec moi et comme ça, nous pral brasser l'idée, sous ça nous tendez cap di yo, parce que déjà, m'ka di nous, et gain plus chance pour aller Didier Fizé, mais pour le tomber bien rapide, même avant 6 mois, nous avons Gary Conny se passer dans tête et primature. Là. Nous prenons le temps de qui ça motive, qui ça raison. On nous a le temps de dire ça. Jour où il y a les pètes du bataille là, donc vous mettez Conny à terre 21 décembre, pas même qu'à défendre Conny et nous pas même capable de remplacer le représentant noir dans ce PTA, j'en ai vu là. À noter que 21 décembre. Allô, allô? Oui, oui, moi? On vous écoute. Vous posez une question, vous m'attendez bien? Oui, moi, je dis où 21 décembre, pas capable, et pas capable de retirer le représentant, non, et finalement, pas même capable de protéger Conny. Bon. Et je veux que je salue Darius, je salue GPC, je salue tout le monde qui a attendu. Et émission en matin. Son émission à grande écoute, et m'a dit ça. La première chose, c'est que l'accord du 21 décembre n'est pas représenté dans le gouvernement Gary Conny. C'est la première chose. 21 décembre, pas gagné obligation pour le défendre Gary Conny. 21 décembre, pas gagné intérêt dans le gouvernement Gary Conny. 21 décembre, pas gagné intérêt politique dans Gary Conny. Cependant, ce que nous disons est clair. La transition qui est en cours, réglementé par des textes fondateurs. Il y a le consensus du 11 mars de la Jamaïque, il y a l'accord du 3 avril, il y a les autres textes fondateurs de la transition, c'est-à-dire le décret du 12 avril 2024, le décret du 27 mai 2024. Pas gain aucun texte qui mettait transition en campé, qui baille conseil présidentiel la droit pour révoquer premier ministre. Quel que soit premier ministre. Ce que ça veut dire, c'est un coup de force que nous-mêmes nous interprétons que CPT a fait. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire que quand nous contestons le processus qui a conduit au choix d'Alix Didier Fizé-Mé comme premier ministre, c'est une affaire de principe. Nous défendons un principe. Nous défendons un principe parce que, justement, dans les textes fondateurs de la transition, CPT n'a pas le droit de révoquer le premier ministre, il n'a pas le droit de remplacer le premier ministre, et ceci sans aucune concertation. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que l'œil a choisi Alix Didier Fizé-Mé. Jean a choisi là. Premièrement, son choix qui fait en dehors des textes fondateurs de la transition. Scoop. Deuxièmement, le fait sans aucune concertation. Nous disons que c'est un véritable coup de force politique. D'accord? Premièrement, le CPT n'avait pas le droit de renvoyer le premier ministre. Deuxièmement, le CPT n'avait pas le droit de remplacer le premier ministre. De plus, sans concertation, à ce moment-là, pour nous, c'est un véritable coup de force politique. C'est un véritable coup de force politique inacceptable. Et tout le monde connaît le choix de M. Fizé-Mé et son choix de loyauté. On va pas le dire plus dans l'émission matin. Hein? C'est une dette qui a été payée. Dans le langage politique, tout se sait. Quand je dis langage politique, dans la petite société politique, le petit milieu politique, tout se sait. C'est une dette qui a été payée. Vient-il l'air des deals? On va le dire plus sous ce matin, hein? Mais tout le monde le sait, c'est une dette qui a été payée. Alors, le plus important, c'est que sur le plan politique, bon choix qui fait, bon processus qui mène, qui sortit dans la révocation de Gary Conny, qui arrive dans la nomination à Alix Didier Fizé-Mé comme premier ministre, ce processus a été conduit
en violation des textes fondateurs de la transition, ce processus a été conduit sans aucune concertation avec les parties prenantes, les secteurs signataires de l'accord du 3 avril qui détiennent la légitimité du processus. Cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons que cela met en péril la crédibilité de la transition, la neutralité de la transition. Et personnellement, j'ai gagné des discussions avec des mondes au niveau de la CARICOM, habitué à parler avec eux, moi dit qu'il faut qu'ils reviennent à la charge, avec bien sûr le support de la communauté internationale, pour que nous puissions redresser la situation. Il y a plusieurs bagailles qui peuvent adresser là. Monsieur, le redressement de la situation, c'est vrai, au capable de demander international à intervenir pour ça. Mais que j'aimerais aborder d'autres questions spécifiques avec vous. Parce que nous sommes en politique. Le 21 décembre, nous devons gagner tout au moins une flexibilité, malgré le constat que nous faisons, une flexibilité. C'est comme le choix de Didier est déjà fait, et Didier est déjà installé comme Premier ministre. Est-ce que Premier ministre installé, Premier ministre et Didier Fizeme n'est pas capable de rentrer en consultation avec 21 décembre et offrir 21 décembre, non seulement au poste ministériel, mais direction générale dans le cadre d'un compromis très large, puisque ou pas de gain, ou pas de représenter dans le gouvernement qu'on y a. La première chose, alors mon professeur René Durand de regret et mémoire, tu as toujours dit qu'il faut commencer par le commencement. Pour nous, la première chose, c'est de retourner sur la table, analyser la situation et voir ce qui a été fait, ce qui a été mal fait et tenter de redresser la situation. Redresser la situation, je l'ai dit, qui ça pour nous? Depuis le départ, nous avons position depuis le scandale BNCAPT. L'accord du 21 décembre est clair. On ne pourra pas réussir cette transition avec la présence des trois conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC et aujourd'hui inculpés au cabinet d'instruction. C'est le point de vue de l'accord. Nous-mêmes, écoutez, le 21 décembre, nous n'avons pas accepté aucune entente, aucun compromis qui n'a participé dans le nouveau gouvernement. Écoutez. Depuis, on pas réglé problème, toi, écoutez. Écoutez. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas réussir la transition sans le retrait et le remplacement des trois conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC, inculpés au cabinet d'instruction. Et ce point de vue est conforme. Vous dites, mettre André Michel. Écoutez, je termine. Ce point de vue est conforme. Ce point de vue est conforme à l'article 2 du décret du 12 avril 2024. C'est la première. Vous avez dit qui ça? Le nous tournons sous table négociation. La première chose qui va être adressée, c'est le dossier des trois conseillers présidentiels désormais inculpés au cabinet d'instruction. Et Michel, je dois vous confier que si c'est ça que 21 décembre gagne comme outil pour la discuter, Didier n'a pas de capacité pour l'aller, comme vous parlez de dette, il y a un monde qui gagne dette, c'est un monde qui bat Didier pouvoir, et vous comprenez, vous comprenez ce que vous avez dit, ça, papa Alvin, essayez de mettre monde qui mette le sous-pouvoir en difficulté, donc ou déjà pas venir sous table de négociation. Attendez. Ça, c'est la première chose. Scoop. La première chose, écoutez. Entendez. Bon. La première chose, le dossier des trois conseillers inculpés au cabinet d'instruction, il faut que cela soit, faut nous évacuer Bagaïsa le plus vite possible. De la nomination de M. Alix Didier Fizeme. Cette nomination a été faite en dehors des textes fondateurs de la transition. Cette nomination a été faite sans aucune consultation avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et m'a dit, il me pensait que dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps, les discussions vont reprendre. Et ces deux questions seront sur la table. Moi-même, moi dit, on ne calme comme eux,
Il y a une grosse responsabilité dans ce qui a passé là. C'est eux qui ont conduit le processus de médiation qui menait la formule ça. Et il y a une responsabilité pour retourner sous table discussion avec les parties prenantes pour redresser la situation le plus vite possible. Et redresser la situation. Et président et CPTA, il attaquait. Et monsieur CARICOM yo, ou qu'on n'est pas du tout tendre avec yo, donc CARICOM même policier il ne doit pas voir encore suite à dernière rencontre et dernière prise de parole et échange qui pas du tout David Jou, qui pas correct qui te gagne entre les Civoltaires avec mon CARICOM yo, au courant de ça pas au courant de ça mais moi même faut qu'on dire me gagne environ 2 ans depuis que m'a pratiqué Leslie Voltaire, surtout dans le processus de négociation que CARICOM a mené depuis pratiquement 2 ans. Et on trouvait Leslie Voltaire son nez qui paraît moins sage. Bon, bah qu'on est si c'est en apparence. Si on a dit Leslie Voltaire, il y a une attitude arrogante avec un monde, forme taoué pour d'accord. C'est pour vous dire que ça est un baronnet. Mais ça me connaît. C'est que on va revenir sur la table des négociations politiques dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps. Et les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus, il y a 2 problèmes qui vont le poser dans la discussion. Dossier 3, messieurs, et dossier nomination Didier Fizemeya. Parce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique du coup d'État pour nous sortir dans le processus. C'est vraiment qu'on est. Je ne vais pas aller plus sur ça. Une dette qui en pile monde dans le conseil présidentiel la gain pour M. Fizemé. C'est une dette qui a été payée. Domination lancée, ça lié. Je ne vais pas aller plus. Peut-être on l'aime à parler plus sur ça. Mais on voulait payer dette ou, mais ça n'a pas autorisé pour craser le processus transitionnel là que nous tous nous mettons en place comme partie pour notre haïtienne avec la participation de la CARICOM. Parce que pour nous, on est en train de prendre une très mauvaise direction. La transition est en train de dérailler les principes directeurs de neutralité, d'indépendance qui doit caractériser le processus là, nous pas la donne. Avec Didier Fizemé, il n'y a pas d'indépendance pour le processus. Et c'est une personnalité politique, c'est un businessman qui a un clan parle dans le secteur privé, qui a un groupe parle dans le secteur privé, qui est dans la politique, si c'est lui-même, il va orienter le processus dans une direction partisane. L'indépendance du processus transitionnel est en question. Et deuxièmement, neutralité, pas parler ça même. Tout le monde compte côté le sautier, qui a acquaintance politique, qui l'est politique. Non seulement il y a une dette qui a été payée, ça c'est l'aspect moral, où mon portin m'a parlé plus sur lui, mais deuxièmement, sur le plan politique, on a parlé d'une transition, il faut que tout le monde soit capable, confortable, ou pas capable de remettre transition, hein, et à un monde qui pourrait l'orienter dans une direction bien déterminée, dans une direction partisane. C'est pourquoi je dis, et c'est la position de pas mal de parties prenantes, cette affaire, ce processus qui menait à nomination M. Fizemeya, c'est un coup de force politique contraire au texte fondateur de la transition et réalisé sans concertation aucune avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et là, pour nous, c'est clair, pour nous-mêmes, Premier ministre, il faut que son personnage qui présentait des garanties d'indépendance et de neutralité. Voilà notre compréhension. Un Premier ministre qui n'appartient pas à un clan politique, à un parti politique, d'accord, à un groupe politique. Un Premier ministre qui non plus n'appartient pas à un groupe économique. Parce que transition n'est pas capable, en moment, premièrement, pour un groupe politique qui triomphe sur toute l'option, qui prend contrôle, il n'est pas capable d'une période qui permette à un groupe politique triompher au détriment de l'autre groupe économique. Un groupe économique pas capable de prendre contrôle de transition. Et puis, pour pouvoir craser notre groupe économique. Et c'est très important. Indépendance politique, indépendance économique. Tout ceci est mis en question avec l'arrivée de Didier Fizemé. Il y a un groupe économique,
qui gagne bagaille, y'a besoin de contrôler. Nous tout, nous tout bagaille, nous dans le VIA. Et, il est en compétition avec d'autres groupes économiques. Ça veut dire, monsieur Rivella, il va favoriser son clan économique. Il va favoriser ses amis. Il y a un groupe politique. Il y a un groupe politique qui gagne. Il y a un groupe économique qui gagne. Ce n'est pas acceptable dans une transition. Et l'esprit, et je vais vous dire une chose. Je maîtrise très bien ce processus de transition, ce processus de négociation, moi, compte toute ça que la dame. Dans l'esprit du consensus du 11 mars de la Jamaïque, Scoop. 2024, et dans l'esprit de l'accord du 3 avril, nous clairs, nous voulons en transition neutre, en transition qui dirigeait pour un premier ministre indépendant. Un premier ministre indépendant, qui au-dessus des partis, au-dessus des groupes économiques, au-dessus des clans économiques. M. Fils-Aimé n'est pas au-dessus des groupes politiques. Il est lui-même un homme politique. Il a lui-même sa chapelle politique. Il a lui-même ses associés politiques. M. Fils-Aimé n'est pas au-dessus des clans économiques. Il est lui-même un homme d'affaires. Il a lui-même son clan politique, son clan économique, son clan financier. Bref, je vous dis à là, et tout l'autre monde qui va dans le clan économique, et Didier Fils-Aimé, qui va dans le business avec lui, je vais le craser. Michel, pas forcément ça. Pas forcément ça. Et Premier ministre a tout capable de hauteur, et puis il mettait, il prend distance, li, et puis il fonctionnait sur une plateforme démocratique, côté tout le monde, gain pour payer ou à payer, ça ne veut pas dire pour autant que le capable de prioriser secteur par là sur l'autre secteur. Mais de toute façon, mais écoutez, mais de toute façon, a priori, si Outaouais, si on monte SDP qui vient Premier ministre, ou à tout dire, M. Pral favorise SDP. C'est pas ça? Oui, ok, je comprends. Si Outaouais, c'est un monde qui appartenu à un clan économique bien précis qui vient Premier ministre, à première vue, on a toujours dit que Mounsal Pral favorise un clan économique. Clan on a toujours été capable de tout, entendre comment c'est agi. Attendez. Écoutez, on est capable de tout. Je ne dire ça, non? Mais moi, je dis, à première vue, c'est ça. Et je vais vous dire autre chose. Et c'est normal pour tout le monde qui a une inquiétude là. Et moi, je dis, et c'est ça que fait. Et c'est ça que fait. Et c'est une inquiétude là. Je manifeste une inquiétude. Je ne porte pas une accusation contre qui que ce soit. Et c'est ça que fait. Là, nous avons réglementé le processus là. Nous avons dit que le premier ministre là, fort son personnage indépendant qui est capable de planer au-dessus des clans, au-dessus des clans politiques, au-dessus des clans économique. C'est ouais, li normal. On a une inquiétude ça comme acteur politique. Parce que moi, ouais, que bon coup de force qui fait, et il y a un secteur politique qui bénéficie de ce coup de force. Je vois qu'il y a un secteur économique qui bénéficie de ce coup de force. Et c'est normal que me gagne des inquiétudes. Et nous avons gagné des inquiétudes. Mais on connaît tout, que ce n'est pas conforme à l'esprit du consensus du 11 mars, ce n'est pas non plus conforme à la lettre des textes fondateurs de la transition. Voilà pourquoi. Ariel, tu es prêt pouvoir, grand pile monde qui te dit c'est secteur politique pour là que tu es prêt pouvoir. Est-ce que tu es fonctionné? Est-ce que tu es grand pile doute sous mode de fonctionnement? Est-ce que tu es gagné tout ou grand secteur privé côté soutenu? Et est-ce que ou tu es pensé ça pas déranger l'autre parti? Scoop. Belle question. La première chose, c'est que Ariel, l'Ariel arrivé, Ariel pas dans clan politique, moi. Ariel pas dans groupe politique, moi. Nous avons négocié un accord politique avec Ariel Henry. Mais la vérité, c'est que Ariel Henry, c'était fait preuve de dépassement de soi. Ou capable de reprocher Ariel tout ça, voilà. Ariel t'a fait preuve de dépassement. Ne pas te laisser aucun clan politique prendre contrôle de l'espace pouvoir de côté. Ne pas te quitter aucun clan économique prendre contrôle du pouvoir. Et c'est une raison qui va le fait que, il y a deux groupes économiques, même si je n'ai pas besoin de citer des noms, ce n'est pas nécessaire, qui va le faire gros alliance avec Gangio,
pour créer chaos dans le pays en fin 2022 et pour créer conditions avril, février-mars 2024 qui font gros alliance à Gagnon pour craser Port-au-Prince, pour créer conditions pour le quitter le pouvoir. Ariel Henry avait refusé de s'engager dans une politique de clan. Et M. Gade tout le monde dans le secteur privé. C'est ça qu'il fait, oui. Il fait tout le monde venir devant. Il y en a qui besoin d'avantage dans le droit, avantage de tous côtés. Monsieur Gade tout le monde, j'ai dit, monsieur, on nous fait un bagaille qui est capable de mettre tout le monde à l'aise. Il y a des gens qui étaient autour d'Ariel, qui étaient manipulés le commissaire gouvernement, ok, qui étaient gagné contrôle douane tout, qui étaient gagné contrôle APN, etc. Ça veut dire que les gens qui ont fait preuve, qui ont manipulé le commissaire du gouvernement. Et même si ce n'est pas tout, même maintenant, Michel. Attendez. Et il y a des gens qui ont fait un pile de bagaille, oui. Parce que il y a des gens qui ont tellement fait des bagailles, si ce n'est pas bon juge d'instruction, il y a des gens qui nous connectent dans la prison, oui. Parce qu'il passe le commissaire du gouvernement, l'ordre, oui. M'abdou deux bagailles. La première chose, c'est que moi-même, ça me connaît. Et ça, tout le monde, oui. Ariel Henry au pouvoir. Monsieur organisé. Ariel, mais de certaines personnalités proches. Ariel Henry, au pouvoir, il fait tout le monde payer taxes, tout le monde payer la douane, et c'est ça que fait l'État te ramasser tout comme ça. C'est la première chose. Ça ne vient pas se bouquer. Deuxièmement, dans tout pouvoir politique capable d'exercer. Dans tout pouvoir politique, bon, dans toute entreprise politique, bon, dans toute entreprise quelconque capable de gagner avec cette zèle. Bon, même dans la radio, ce qu'on peut faire, on doit gagner avec cette zèle. Ok? C'est-à-dire que ça capable de faire un monde qui font excès, etc., etc. Mais c'est clair, Ariel Henry avait fait l'effort de gérer le pays dans la sérénité. Il était fait effort. Ça, il faut le reconnaître. Alors, nous-mêmes. Qui est-ce qui dit que Alex Didier Fils n'avait pas fait effort pour gérer le drame, même dans cette même sérénité, écoute, puisque c'est bon, seulement installé. Écoutez, je n'ai pas de problème avec M. Fils-Aimé, même si je ne connais pas Didier Fils-Aimé assez, mais je connais son père. Ouais. J'ai été, pour l'histoire et pour la vérité, j'étais encore au lycée. J'avais beaucoup de sympathie pour son père. Je vois son militant, son équipe des convictions. Mais Alex ne m'a pas fréquenté. Mais papa, il était grand pile et sympathique. Alex, où? Papa, c'est des boulons. Et boulons, nous tous te connaissons. Mais boulons? Oui, c'est boulons. Homme de gauche. Oui, Alex, mais oui. Je suis le dernier, attention. Mais pas n'importe nègre. Et puis, pour qui ça, le proverbe ça, pas qu'à valable pour lui, tel père, tel fils? Écoutez, mon cher, on va transmettre valeur. Valeur, ça, on va transmettre. Et voilà. Là, nous sommes des détails. Nous sommes des questions-réponses qui t'a fait entendre Michel et Gary Pierre-Paul Chol. Depuis hier, on t'a parlé sur ça et nous avons senti c'est un principe que nous avons essayé de défendre. Et sous base principe que ni Claude Joseph ni André Michel yo prend même route là, eh bien le papa abouti à rien. Nèg sa yo, c'est la rue a besoin vinn fouler, c'est béton, c'est manifestation besoin vinn organiser. Parce que déjà ça yo baye comme condition, prémisse yo baye là, li pa mené aucun côté. Ça nous clair sous li. C'est yo même qui mené pays en là parce que yo pas vle élection. André Michel li passé près de 4 ans ap taget Jovenel Moïse parce qu'elle t'a besoin pouvoir. Jovenel pas capable, yo capable. Journée jodi, mais yo sous deux transitions, yo pas ka remettre en rien. Ça prouve à clair que nèg sa yo, si nous pas retirer yo, si nous pas mettre yo de côté, si nous pas voyer yo al prendre retraite définitive yo dans politique, eh bien compatriotes moi yo, n'ap saisi ou 10 ans, 15 ans, 20 ans après, nous toujours dans même bataille yo et c'est toujours même catégorie yo, même groupe yo. Ça a clair. Mais nous voulons nous comprendre un grand bagage. Je ne dis pas Haïti côté lié, c'est modèle moun sa yo, modèle politicien sa yo. Modèle moun qui toujours est tête yo avant, qui toujours est bien net yo avant que yo wè on pays. Yo wè yo même, yo oublié 11 millions moun. Yo wè yo même ak fami yo, yo oublié 11 millions l'autre chrétien vivant, l'autre haïtien. Et ce comportement ça, classe politique l'a gagné, ce comportement ça, en pile haïtien gagné. Et Mathéo Gozami qui a expliqué
et une situation que trouvé l me dit moi nous pas prêt pour nous sortir côté nous hier malgré que il y a des séries de monde qui dans média qui ont même dou yo montré yo gagne une certaine et une certaine velléité pour faire bataille pays yo a dénoncé par exemple André Michel qui ont comportement et mafia comme ça qui sont crasés pays y a dénoncé des séries d'acteurs qui participent dans crasés pays yo même dou yo un comportement bourreau yo même dou yo un comportement bourreau et moun kap collaborer avec yo moun kap travaille avec yo kap travaille pour yo yo plus gen un comportement relation esclave maître esclave etc etc. Maintenant, gon moun ki rele m'ka expliquer mon situation que trouvé, franchement m'dit moi si nous même qui dans média nous a bail le ton, n'a dénoncé hypocrisie, n'a dénoncé égoïsme qui gagne, n'a dénoncé mauvaise gouvernance, n'a dénoncé système, un système esclavagiste, n'a dénoncé un système qui là depuis plus que 200 ans, c'est maître esclave oligarque qui mettait pied sous coune international cap tout pisine et puis sous gros monde cap collaborer avec c'est tout pisou cap tout pisil ou pas vle moun et ou pas vle moun et évoluer bien privé moun privatiser moun mais qui signal ou qui exemple pour les bail donc moi même finalement me dit moi dans ça cap passer et dans ça cap passer dans situation pays d'Haïti dans ça cap passer dans politique en Haïti et même le gen moun kap dénoncé des séries de pratiques des séries de dérives kap passé en dedans l'état prend yo kounya mettez yo nan poste sans pa quoi y a fait autrement pa quoi y a fait différemment et dit Alix Didier Fizé mais nouveau premier ministre et nous sortons des directeur cabinet li Accent Joseph yo parler de humilité yo mettez accent sur humilité hein. Lorsque leader lorsque responsable lorsque chef vous supposez gen humilité ça humilité log humilité gen en pile bagay li préserve de yo gen pile bagay li protège de yo non ba yo des fois ba yo comique bagay yo drôle des fois ba yo drôle et c'est manque d'humilité André Michel qui fait André Michel pat ouais dans Jovenel Moïse au président qui t'est élu qui t'est mérité pour te faire tant le pas besoin assassiner pas besoin touyer c'est humilité. On paquet politicien pa rien qui fait yo wet tête yo avant et yo oublié 11 millions moun yo wet tête yo avant yo oublié bien net collectif là c'est humilité nèg exam yo pa rien qui faut yo dou et y a fait révolution et puis révolution yo dou y a fait yo visé population civile là oui yo a attaqué rentrer caill moun qui pa nan rien pour avec yo touyé boulé fait cadejac et puis yo dou c'est dommage collatéraux vous comprenez. Alors que yo identifié 1 2 3 4 do mais qui catégorie moun yo en face mais qui est-ce qui est ennemi yo et puis moun yo considéré comme ennemi yo c'est pas jambe yo subi c'est pas jambe yo victime mais c'est population victime nous hypocrite nous traite c'est toujours yo même avant toute bagaille c'est tête yo avant toute bagaille c'est bien net yo avant toute bagaille faut que yo manger jusqu'à ce que votre yo enflé faut que yo manger jusqu'à ce que yo pas capable de sortir dans tourner yo avant l'autre manger. Si ou ap évoluer, si ou ap avancer, ça te getan en cause de haine, ça te getan en cause raillement, ça te getan en cause division, ça te getan en cause et pour bon degré de rancune, pour égoïsme arrivé wow. Comportement anti-haïtien, anti-pays, ça yol pas bon. Ouais, me dit comportement anti-haïtien parce que lorsqu'on haïtien bon comportement comme ça, ou vinn rayi haïtien pareil. Lors on comportement comme ça ou vinnra y propre payou parce que c'est payou c'est payou là yon haïtien pareil peut-être cap évoluer qui t'a créé travail by 10 by 15 moun travail c'est payou là oui c'est payou là c'est stabilité pas vrai pour payou c'est sécurité pas vrai pour payou donc on pense là n'a fait travail de conscientisation il est important pour nous prendre conscience avant peut-être pas nous et avant pour nous-mêmes parce que et bah yo ti jan paraît compliqué bah yo paraît ti jan et difficile bah yo paraît banal des fois et même yo pas réalisé simple petit bagaille qui a créé un gros escalade OK un simple petit bagaille qui a créé gros escalade violence gros escalade division
chirépite qui pas mener nous aucun côté. Compatriote Haïti vrai somme et parenthèse ça c'était pour me faire un petit travail de conscience pour nous, me faire une petite leçon, comprendre même pour moi tout là bon parce que m'a rappelé tout qui ça me gagne comme objectif et c'est moun avant tout, tout moun c'est moun, tout moun compte bouche, tout moun fun pour yo manger laisser ligne droite là moun nan choisi pour le prendre. Ça a li important. C'est là n'a mette bout dans l'émission pour aujourd'hui, son véritable plaisir pour nous te porter information si là pour vous. Restez connecté avec channel là, rendez-vous en casse dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou rien mes pays et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennui, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.